Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, je signe? Non, non. Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent. En fait, moi j'aime beaucoup dire que c'est une adaptation, parce que je trouve ça beaucoup plus sincère, et j'ai beaucoup de camarades comédiens ou réalisateurs qui oublient de dire, quand ils ont fait une adaptation, que ça vient d'un livre, que ça vient d'un film. Donc ils se prennent les compliments à la télé, votre film est formidable. Oh merci. Oh, vous l'avez aimé? Je m'y attendais pas. Tiens bon Vincent, tiens bon. J'aime bien dire que le film marche sur deux jambes. D'un côté, on charrie, et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est en revanche, on se charrie, mais on dit merci. Et c'est ça, je vais me servir aussi de cette tribune. Les fonctionnaires sont ceux qui nous exfiltrent d'Ukraine, ce sont ceux qui réparent les pylônes quand il y a des catastrophes naturelles, qui permettent aux routes d'être praticables, qui créent les horaires de bus dans les lycées, etc., etc., etc. Donc c'est ces deux jambes-là qui me permettent d'assumer mon travail, c'est-à-dire on se charrie, mais on dit merci. Il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si, si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. Ce type qui était dans un plan-plan, dans une espèce de petit confort, va se retrouver, comme je disais tout à l'heure, dans un tambour de machine à laver. Mais on rit toujours sur de la matière, sur des choses. C'est comme un one-man show. On fait rire avec des références, avec des choses que les gens partagent et connaissent. Sinon, on est hors sol et on n'intéresse personne. Il ne fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens.